l'école pour moi c'était yon qui te conseillé pour continuer à l'école pas prioriser football pour quitter l'école nous devons gagner Ralph Kenizan sincèrement qui passait de présentation qui t'entraînait il était accompagné Tassi parce que nous fait chemin ensemble 81 Honduras. Gen Zenono qui était coéquipier moi que l'homme vient dans Victory monsieur de Gétan dans capitaine Victory et nous vient faire tout temps ça ensemble jusqu'à présent nous toujours ensemble parce que le Victory c'est une grande famille. Ensuite nous vient joindre vient rencontrer maître Kader qui levait place Jérémy que il était contre toute bagaille de Victory. Il compte tout jouer. Et c'est un qui anime, c'est bagaille ça qui anime, fait venir former équipe qui est les champions. Et où est couleur? Où est couleur ou elle Flamengo la donne? Parce que dernièrement, nous avons parlé ensemble, nous rencontrons, toujours à dire, mais qui projet, mais qui projet. Mon cher, mes félicitations, hein, mes cadets. Parce que moi, tout ça en dans le champion, moi, que où son équipe est plagiée, où tu es levé plagiée, vraiment, où tu es contre sentiment, où tu es contre philosophie, équipe ça te plagiée. Mon cher, ça fait un plaisir en pile. M'gen Philippe, que m'a salué, parce que Philippe, mon cher, tout est quoi pour là. Papa, c'était bon. C'est ton papa, ta cité pour moi, Antoine Dassi. M'a déjà mouru l'Antoine Dassi, c'est entraîneur. Ouais, jusqu'à présent, m'a toujours qu'un bon principe là, parce que dans l'éducation, non. Bon, c'est des bagages, y'a bon la caillou, éducation, bah, ou la caillou, l'école, ou à l'apprendre, ou instruit et tout, football là, bon, l'autre bagage, bah, ou. Madou, Philippe, entraîneur, c'est ton gros bagage. C'est lui-même qui vient de me guichon et puis tout le monde a pris guichon. Parce que dans la sélection nationale, Famdo, c'est ton qui a un caractère. Ce n'est pas ton qui te fait monde. Là, elle paraît là, elle dit guichon, l'équipe la voile bâtie là, mais elle sélectionne. Elle n'est pas dans le parlant, puis elle joue au football. Et c'est ma prenant pile de lit, que, parce que Tassi était un meneur d'homme. Ouais, pour être un entraîneur, il faut son meneur d'homme. Sou qui te joué, Abdine Krapon, on ne peut pas mener groupe là, mon cher, pas privé loin. C'est deux bagages qui sont venus de Tassi, qui fait moi-même, je viens pas son moment, je suis un meneur d'homme jusqu'à ce que même président de l'équipe ait dit qu'il y a deux ou trois jours avec joueur. C'est pas faute, moi. Ou bien ton équipe a dit qu'il y a deux ou huit. Parce que je suis exigeant. Et je dis, entraîneur Tassi, je fais 13 ans ensemble avec lui. Ensuite, je viens passer dans la sélection nationale. Je viens faire tant encore avec dans la Fédération haïtienne de football. Il était conseiller Fédération haïtienne de football en 90. Ça veut dire entraîner à mourir dans même canapé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire entraîner ça, pour moi-même, il représente un paquet de bagailles pour moi. Et bagailles qu'on fait là, M. Kader, il faut continuer à faire toujours. Et l'autre monde a suivi, parce que il y a un série de monde qui n'est pas supposé passer inaperçu. Parce que, ou honorer mémoire Antoine Dassi, on cherche un paquet de bagailles. Parce que, un paquet de monde qui passe là, génération ça va connaître. Yo. Et, il fait pile de bagailles. Parce que, on est qui mène l'équipe dans la Coupe du Monde, son gros bagailles. Moi, Antoine Dassi encore, son équipe de poil par Guichon. Attends, ça va passer là. Côté joueur, est-ce que joueur dormi? C'est moi qui vais suivre joueur. Nous voyager. Là, nous voyager, mais c'est ton bon vivant. On est qui était flâneur. Là, elle voyage avec nous, je vois abdomen, il connaît. Nous avons un contrôle, je vois. On pourrait mettre une belle veste sous lui, sous lui deux tons, et puis il va danser, et puis il me dit, je vois sous contrôle. Les gars, je vois qu'il a sauvé nous là. Effectivement, moi, je vais à Miami. Nous, on est négro, vraiment, négro, pas le sortir. Je me dis, on va aller. Je me dis, on va aller. Et puis, négro, retourne, pas dans ce temps, négro, tu es capable de faire autre chose. Je ne peux pas te comprendre. Mais l'OM, c'est bon, responsabilité fine. Et puis, il n'est pas en contact avec vous. Il est plus en contact avec entraîneur Barelli, dirigeant, capitaine, affaire de joueur football. Non, il n'est pas en plaisanterie. C'est ça que fait. On est, pour mener un groupe, il faut, depuis ou paraître, sous terrain, il faut jouer avec un craintif. Si vous pas créer ça, crainte ça, la caille joueur, la dérespecte, l'OM dit pour faire tel bagaille, faire tel type d'entraînement, il ne peut pas faire. Il n'est pas respecté. Monsieur, monsieur, c'est ton modèle pour moi. Et je suis pile nègre là, qui est modèle pour moi dans la vie. C'est ainsi, et je n'ai pas de modèle. Alors, comme nous connaissons que si tu es en train d'écouter, nous avons pile bagaille pour nous dire.
Mais je souhaite une autre fois encore, m'a dit plus. En tout cas, félicitations, Kader, et félicitations, Philippe, pour ton bagage. La joué avec vous, Damier, nous capable de jouer Bézig, mais sur le terrain, c'est pas mais de velours quoi, point. C'est gant de fer là. Tassi, pour lui, une défaite, c'est vieillir de 10 ans. Il apprend nous ça, il parle nous de ça, il fait nous sentir. Messieurs, vous allez jouer de telle façon. Si Tassi est un lion équipe, n'importe quelle équipe adverse, vous mettez sur l'Elvin, transmettre nous ça, dans la séance de 10 heures, avant le match, ou 5 heures ou 7 heures, vous mettez sur, si nous réciter ça que Tassi dit nous de l'équipe adverse là, c'est la raison pour laquelle que nous arrivons à jouer la Coupe du Monde parmi les 16 grandes nations au monde. Pour pas jouer ça facile, et nous voyons combien de temps ça a gagné. De 1973 à aujourd'hui, 2022. Tassi, nous avons pile souvenir de Tassi. Un match. M'a joué latéral droit, Tassi sur le banc. Une fois c'était contre l'Uruguay, au grand extrême gauche polyvalent, dribbleur, pointe de vitesse extraordinaire, c'était le Louben Kobo. Pendant que Louben a travaillé moins sur l'aile là, Tassi. Notre sentiment de gagneur, il n'a pas voulu ou est que Kobo finit avec moi là et finit la sélection et tout. Monsieur dit moi, Marion, souvent mes blancs bol non. Ah! Souvent mes blancs bol. Il dit, son message. Une fois que, pour me pas finir le match. Parce que le Tassi dit ça, son façon pour dire, je ne pas mal joué, mais que je jouais plus bien. Et puis, Kobo recevoir un petit bail. Parce que moi-même, tout, pour moi, la défaite, oui, c'est la mère des grandes victoires à venir, mais la défaite n'est pas digestive. Je ne parle pas de ça. Que dans le foyer, moi, que dans la famille, moi, que depuis me lever, dire, venez jouer au Essine, plus dans la sélection nationale, alors que ça ne pas prendre nous. Ou pas là pour montrer qu'on joue au football, ou pas là pour montrer qu'on sont belles joueurs, mais faut pas perdre. Alors moi-même, lever avec ça comme ça, c'est dans le foyer intérieur, ça y est, pas aimer perdu. Je préfère tomber et lever, tomber et relever à Trinidad. Une bonne histoire. Une tendait un peu dur à l'oreille gauche. C'était un match à San Fernando. On recevait un coup de pied, mâchoire cassée, mâchoire touchée tympan, et puis bon, mais c'est le football. C'est le football. Et je suis capable de dire, son sport qui est extraordinaire, surtout l'organe des dirigeants qui transmettent tout. Tout ça qui est bon pour avancer, pour progresser. Je veux dire, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au football. Et je remercie tous les dirigeants que je gagné, surtout Antoine Tassi, comme entraîneur, qui fait nous arriver jouer la Coupe du Monde. Et je toujours marche avec quatre sportifs moins sous moins, n'importe quel côté. J'ai joué la Coupe du Monde, ça sont l'autre bagage. Mais c'est grâce à ces hommes. Alors, ça me rappelait encore. Il m'a vu jouer au Cap Haïtien parce que la sélection descend dans le nord à jouer avec All Cap ou bien ASC ou bien l'éclair ou bien Zénith. Mais entraîneur ça, comme un chercheur d'hommes, l'a visé et puis il a besoin d'arrière droit pour remplacer Pelao, le grand frère d'Arsène Auguste.
en 66, 67. Et puis, il m'a vu jouer. C'est comme ça que le Racing approchait moi. Je parle avec le dirigeant. Et puis, 7 mai 69, moi rentré à Port-au-Prince pour jouer au Racing Club haïtien. Mais arrivé, petit jeune gens, on ne va pas montrer qu'on joue boule là, non. C'est pour le Racing ne perd pas et la sélection. Alain, que c'est pour l'équipe de moi, dans l'époque pétasie, plus fort. Et puis, monsieur, et Rafkin, les gens qui sont là, qui d'après moi-même, c'est un plus beau préparateur physique que le pays a, j'en comprends. J'en connais, pas même pays, à ma petite, le monde. Parce que, Galen, Gadi, moi, elle est, et l'homme de l'époque pétasie, nous pratiquement dans des conditions tellement phénoménales. L'autre doit une équipe comme mexicaine n'a coup, à part le Mexique prendre la coup, ça va les passer. C'est nous qui avons fait le jeu, qui avons imposé nous, et c'est grâce à Ralph. Moi-même d'abord, ma rapide, forme complémentaire, félicité au job extraordinaire. On va faire avec Timonio, puisque c'est au futur pays, il faut faire en l'autre, faut dans l'autre éducation. Et choisi quand même Zoupim comme inspiration sur notre groupe à rapport. Parce que pour moi-même, Tassi m'a prédit là qui veut l'entendre. J'étais chanceux pour me dégager lui-même comme professeur. Si on a pris un coach qui dégage dans le monde, parce que moi-même, faire le tour du monde, je côtoie tous vos coachs, du monde coach, Beckenbauer, une de Dagalo, mais Tassi. Mais si on a un problème dans ce dégage, il était haïtien. Et moi-même, les mouais, les affaires m'ont dit pour mettre KDMK, quand même, par un côté, je mettais lui. On m'ont dit que tu as supposé qu'un statut devait prendre en Haïti. Parce qu'il a parlé de nos héros, et il a parlé de Dessalines, et tout le monde qui fait histoire pays, tu as si on a dans lui. Et mener une équipe football. Dans la Coupe du Monde, à cette époque. Écoute, c'est nous qui est plus difficile, d'autant plus le monde entier, pas même qu'à quoi. Qui ça, ça a eu là? Quand tu es sorti, ça a eu. Et ça, si, ce que j'aimais avec lui toujours, et ça fait, c'était mon père spirituel pour moi, toujours, pour côté, même avant de mourir. Chaque année, Florida, ça avait le moyen, parce que la bonne histoire, je suis content. Parce que ça m'a tous ces coachs, je m'a entraîné au collège, je me fais là avec mon petit professeur, ça a bon. Ça me dérange maintenant, monsieur, et me prend là-bas. Parce que le point de coach, il faut accuser de tout le monde qui est passé dans le monde. Monsieur, on est toujours confiant. On va jouer avec Dali. Ah, on va battre. On va jouer avec Alma. On va battre. Ça a continué. Écoute, et cette confiance, cette arrogance. C'est, écoute, et pas sans raison. Monsieur, tu es entraîneur con cacaf. Et on a essayé. On prend les gars plus jeunes journalistes sportifs là. Les femmes, on a des négos là, je m'en souris. Il n'y a pas parlé de monde, tel, il y a peu. Dis, monsieur, n'est pas en parler de nos Haïtiens. Bagaille haïtien fait dans le monde du football. On est pour t'assis, c'est lui qui va te propulser, puis on s'en fait. On est pour te couvrir, faire des exemples. Dès qu'on préparateur physique que Haïti te connaît, pas de jambes bien sous la tête. On est pour Mayolion, il y en a qui fait des choses extraordinaires. Mais Haïti, malheureusement, c'est ça que fait là. Et Philippe, encore une fois, papa. C'était mon père aussi. So, nous sommes frères. Mais c'est le pays. Là. C'est le pays qui doit à ce monsieur. On respecte. Nous ne pas respecter le monde du tout dans le pays. En tout cas, si on connaît des gens, on a dit, hé, on connaît pour qui ça tout. Je sais pourquoi. Tu dois être fier de ton papa. On dit ça. Dépend de le pays d'Haïti. Où un minimum de personnalité va se faire. Tassi n'acceptait pas n'importe quoi. Tassi n'acceptait pas n'importe quoi. Même devant François Duval, il n'y a pas de quoi. Moi-même, je le connais. Et c'est ça que fait des gens en vie. Après notre défaite et Salvador, les disposés à la Coupe du Monde avec Tassi, toujours en 70. Les gens ont boycotté Tassi. Ils ont boycotté Tassi. Le bagage chef, le bagage même, il va passer là. Et puis, ils ont été crucifiés. Jamaïque le voulait, tout le monde le voulait. Il est rentré en Haïti. François Duval, il l'a appelé. C'est le même qu'à Bami soi-même. François Duval, je sors fait. Est-ce qu'on a mené l'équipe de la Coupe du Monde? Et puis Tassi dit, sous bon cobre là, m'a mené l'équipe de la Coupe du Monde. Et Tassi a amené Haïti dans la Coupe du Monde. Donc, son bagage que pour tout le monde, pour le pays, mais pas les monde
qui a, comme si nous parlé de nègre là, pas de monde qui a dit nègre, faut être fier de lui. Tout le monde a envoyé, ça dit monsieur, c'est, écoute, le pays doit changer et ces enfants que vous avez quand même, éducation ça, monsieur, c'était inspiré de ça, raconte une vraie histoire pour demain, pour vous venir des grands coachs internationaux, pour vous venir coach Real Madrid, pour vous venir coach Barcelone, bah, ils ne sont pas rien. Et parce que moi, des journalistes haïtiens, il y a des longs necs, font bagaille, et lui, comme si l'haïtien ne pouvait pas. Président, félicitations. Quand même, pour l'initiative, ça, qu'on prend pour honorer un grand personnage. M'a salué d'abord tout le monde qui est sous panel là, et particulièrement petit monsieur. C'est un honneur. C'est un honneur pour nous, Philippe Avel. Yeah. M'a salué tout des monde très important avec lesquels je suis passé, je suis fait dernière expérience, en l'occurrence, Nono, Guichon, et certainement un grand monsieur, Mario Léon, qui était définitivement fait dernière campagne en tant qu'assistant de Tassi. Et moi-même, j'invite nous, qui était préparateur physique. Son expérience inoubliable. Monsieur, c'était papa, papa spirituel. Je saute l'école. Monsieur, fais confiance. Je suis un honneur pour un examen en main. Dans le campagne de Coupe du Monde. Monsieur, c'est ton stratège. Monsieur, tu comprends la nécessité. C'était contre problématique, je vais être là. En plus de ça, j'étais directeur de technique zone là. Donc, toute documentation que CONCACAF a passée pour rejaillir sur l'ensemble des entraîneurs haïtiens, moi-même, j'ai eu un privilège, une opportunité de consulter, j'étais une matière en main. Donc, ce n'est pas ton nec seulement que ton joueur de football, son nec qui était formé tel et tout. Comprends? Donc, je pense que c'est un bon choix. De faire de Nexa un tremplin pour la génération future. Ce n'est pas comme ça qu'on a la Coupe du Monde. Monsieur était convaincu que son processus lié. Et monsieur, en tant que fin stratège, il était déjà une notion de conception de jeu, d'organisation de jeu. Monsieur, son équipe explorait un peu le bagage. Essayons de mener. Nous avons dit comprendre ça, les complémentarités. Entre les joueurs du milieu. Vous comprenez? Mario peut-être qu'a dit nous plus, puisque Mario fait campagne 74 avec moi-même, j'ai tenté d'un tout, l'homme de la violette. Donc, mon cher Philippe Papa ou son nez, nous pas qu'abdiller. On sort des fonds, bon choix. Et félicitations pour l'école de football, ça. On va aspect la question quand même. Nous parler de nez, qui est le motif là. Mais, comme ça, ça veut dire. Responsabilité ça. Et surtout sponsor, nous sommes président de fédération. On a accepté fort confiance. Dans le milieu, ça, c'est qu'on fait personne morale. Ou j'irai fondre abonné ça. Troisièmement, Timonio, c'est seulement un cas offrir. C'est éducation, et pas seulement éducation sportive, ou éducation. Côté n'a passé, n'a véhiculé des valeurs. Je saute cité là, je n'ai pas besoin de répéter. Sens des responsabilités, loyauté, fidélité, respect de l'autre, l'amour de l'autre. Je crois que c'est ça qui manque dans la société. Ça. Seul bâme cadeau, c'est que de plus en plus, je m'a pas ajouté ces trois minutes, les métiers de sport existent. Même lors de l'école de football, où il y a U6, U8, U10, U12, U14, U18, sous les performants, sous pas rentrer dans la norme internationale ou pas là-dedans. La France est une grande nation de football. Parce que tu comprends la nécessité, ça a eu les formations. Et donner ça a eu. On clique, on dit mon 6-8 ans, voulez pas, voulez, s'il veut performant. Tout le monde a droit à une pratique à des fins de santé et de bien-être. Mais dès pour parler de performance, il y a des normes. On dit mon 15 ans, s'il n'a pas 17 heures de pratique
bien agencé, bien harmonisé avec des techniciens de sport qui pourraient agir sous lui, il n'est pas performant. Félicitations, mon cher. Et à tout parent, à toute presse parlée que tu télévises là, quand on parle de jour aussi important, bonne longue vie à Champion Football Club. Et mettre des fois, moi, merci au Rampil parce que pour l'initiative, pour prendre, pour chercher à rentrer en contact avec moi. Ensuite, je suis très content de rencontrer une série de monde que je bâtis à moi, même si tu raf, moi, tu raf tout le temps. Léon Lé, moi, rentré là, je me dis, oh, regardez ça, c'est Léon. OK. Et l'école de football, c'est un bail qui est très important pour un petit monde, surtout pour débutants. Je change moi-même, j'aime d'abord jouer du football. Moi, j'aime faire un shoot, ballon, monte en l'air. Bon, il monte en l'air, même pas pour ça que fait le monte en l'air. Au moins, je change moi, je viens à l'école de football, je prends depuis que je mets bus, mais pas derrière. Et après, je depuis que je mets pas derrière, pour la monter. OK? Et donc, l'école de football, c'est un bail qui est très important. C'est bon, bah, même si vous avez un talent, il faut bien contrôler le talent. En termes de, pour me parler de papa, bon, je ne suis pas vraiment dans le vestiaire, dans tout le bail, mais ça m'a dit que je m'apprends de papa, c'est que ce sont des gens qui étaient toujours très disciplinés. Et puis, je suis toujours parlé de livres. Je me suis dit, bah, de football, je suis bon, mon livre football. Vous comprenez? Et monsieur apprend-moi tout que dans la vie, on fait ça en main. Vous comprenez? Parce que papa a quitté en pile bagaille pour le football. Il sacrifie la ville pour le football. Et finalement, et ça m'apprend, c'est que l'on fait ça, où j'ai un résultat, et le résultat est positif. Et il y a une chose qui était très marquée, tout me changer que le papa est décédé. Et pendant que j'étais en séjour au Brésil, nous recevons les deux Zagallo, que vraiment moi-même, j'aime bien ça se rencontrer, qui te voyons l'être pour moi, parler de papa. Donc c'est pour dire que le conseil de Baël a fait très positif pour quoi là-dedans, ou donner toute tête là-dedans, ou avoir nos résultats. OK? Premier Baël, pour moi, c'est pas son. Je connais la justice, on se bat dans le monde, focus sur l'argent. Seulement, de, tout le monde c'est là où il est vers l'or. Mais je pense que faut nous mettre passion nous et tout ça nous gagne dans ça n'a fait parce que c'est ça m'a pris de papa et on a besoin de résultats avec beaucoup de sacrifices aussi. OK? Donc vraiment, c'était un réel plaisir pour moi, tout pour moi, que il y a un pile monde qui appréciait papa pour le travail qu'il a fait. Et que vraiment me senti honoré, bah j'aime connaître gain coupe zoupim. OK, donc c'est toujours fait petit jolem parce que des moi vont côté me dit bon et seul papa qui mène dans coupe du monde. Comprendre. Mais et c'était une époque vraiment me changer les petits monde qui était exceptionnel. Là je me connais tout joyeux, me connais non tout joyeux, c'est de football nous parler, le rentre lundi matin, c'est de racine violette. Moi, pour me dire honnêtement, je ne sais pas ce qui a passé dans le football haïtien. OK? C'est vraiment dommage. Donc, il y a une nombre de choses pour l'école de football. Yo. Et ce n'est pas seulement former des joueurs pour jouer à l'étranger, mais pour former des joueurs pour faire une bonne sélection nationale. Là, vous comprenez? Pour que nous mettions une sélection côté que nous avons de jouer ensemble. Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs à l'extérieur. Mais les gars viennent faire deux matchs à un monde que beaucoup de gens jouent avec lui. Donc, je pense que le travail ça au café. Au point de vue éducatif, c'est le plus grand héritage que nous avons quitté pour vous, c'est le sport. Les bons font que nous faisons sport, là, fait sport toute ville. OK? Donc, c'est ça que papa m'a appris. Moi. Et c'est un gros modèle, moi, que je suis fier de lui. Et puis, je suis bien content de voir que des gens qui sont fiers de lui aussi. Et qui voulait transmettre. Parce que l'autre jour, je me balade avant 27 ans. Je dis ça, je me balade avant 27 ans, sélection nationale. Moi, je me dis qu'est-ce qu'on a ici, je ne sais pas qu'on est. Vous comprenez? Et c'est montré, mal montré le photo, etc. Donc, on part de l'éducation, histoire, et de l'histoire du football, côté une sortie. Vous comprenez? Et puis, même, donc, c'est ça et que je me dis. Et de papa, moi, je suis très honoré. Merci. Nous, on dit un grand merci à Coach Cadet.
parce que normalement, je suis supposé sous table là, parce que je me trouve parmi des monuments, parmi des immortels. Et, waouh, son grand honneur pour moi. Ma profite de nous, un grand merci, messieurs, pour ça nous fait pour le pays, pour ça nous fait pour moi. Et tout à l'heure, vous entendez nous parler de l'épopée de Tassi, l'épopée de 74, que moi-même, je suis capable de dire, qui est aussi comparable à l'épopée de 1804, parce que un grand pays comme Haïti, il mérite grand garçon tant que nous, il mérite grand femme tout, dans la taille, dans la dimension. Donc, pour nous, M. Kadel, c'est ouais, comment nous sommes capables de profiter pour nous, quel que soit côté monument saillé, c'est sûr à travers Zoupim, c'est une sorte de ciment qui permet que nous gagnions une possibilité pour nous évoluer ensemble avec eux, bénéficier de conseils. Ouais, comment la génération qui a venu en cas, monsieur, est-ce que même si tu as monté sous de l'eau, mais accrocher bon côté pour vous projeter tête. Yo. Merci encore, messieurs les monuments. Je dis à nous, bon, l'autre raison encore pour moi, envie, rete haïtien, pour moi, envie haïtien. Moi, c'est un parent qui gagne un élève dans l'école de football champion, hein, qui toujours a essayé de garder l'aspect comment nous sommes capables de faire club champion, hein, pas seulement club champion, mais club bio en Haïti. Passer de étape club, association à une véritable entreprise. Parce que nous venons rendre nous compte de problématiques là. Aussi longtemps que club y aurait été des clubs, associations, il n'y a pas de temps pour une entreprise qui doit grandir, qui permette que jeunes capables de grandir, capables de perspective. Donc, football n'a pas qu'à aller loin et jeunes surtout viennent pas intéressés à football et Dieu seul sait ou bien économiste seul qu'on est combien sport en particulier football capable de représenter un moteur de développement pour l'économie du pays non rien que garder pays qui a avancé yo pays que nous aimons football yo bien nous aimons sport yo les n'a garder ça football représenter ça, industrie sport, industrie football représenter dans l'économie, c'est son rêve. Et pourtant, nous-mêmes, ici, nous avons atout. Nous-mêmes, nous avons ça, l'économie sur les dotations factorielles, ça veut dire avantage, avantage naturel, naturel, que nous sommes capables d'utiliser pour nous faire de football là un produit qui est vendable. Un produit qui est achetable. On prend un exemple non, parmi les facteurs. Ça, et c'est ça, nous, depuis quelques temps, tout, nous dédions tête nous pour nous faire avec champion. Pas seulement avec champion, parce qu'un club n'a pas existé dans l'environnement pour contre lui. Il faut que y ait d'autres clubs côté que nous avons développé sentiment de combativité, donc rivalité, une saine rivalité entre eux. Club yo considéré appartenu à ce grand projet champion. Nous dit il faut que nous sortions dans club qui juste on passe temps pour nous en nous rentrer dans club qui capable un projet économique. Passion hein, déjà là un projet économique ça demande un entrepreneur qui est entrepreneur qui à la base un entrepreneur son monde qui voit opportunité côté l'autre monde pas wel. Haïti son pays qui grand pile problème. Mais en général, je dis entrepreneurs, comment ils découvrent l'opportunité, c'est par rapport à problème. Chaque problème est une opportunité pour trouver une solution. Donc, quand il y a un problème, quand il y a une opportunité, un entrepreneur a une passion pour ça, la faire, mettre avec une passion. On toujours arrivé 15-20 minutes sous terrain avant tout le monde. Donc, c'est pour dire que nous avons autant d'éléments et nous lançons un appel à notre club. Qui, à travers le Zoupim, profiter de l'espace, parce que ton club peut évoluer, pour contrer, peut évoluer seul. Il faut que nous ayons dynamique. Et à travers le Zoupim, nous voyons comment nous sommes capables de créer une dynamique. Entreprise qui déjà existe, on a besoin d'appui. Au-delà de toute
inquiétude moun gagné toute réticence pour yo mettre investissement yo dans un projet si a bon retour sur investissement mais mettil nous besoin d'entrepreneur comme ça tant pour l'innovation c'est entrepreneur ça qui a permettre de nous créer un environnement que nous besoin environnement football qui capable Haïti peut-être 5-6 fois pays des années là nous un pays de 7 milliards de dollars donc a gagné des clubs 5 on dit 10-15 clubs capable 7 milliards de dollars là. Mais le Real Madrid avec Barcelone, c'est à peu près 10 milliards de dollars. L'éducation n'est pas touchée tout le monde dans la meilleure façon de l'éducation. Donc là, même son coach, comme son parent, comme son responsable, il faut nous bénir par la vie. Continuons de vivre pour nous, on a une pile de responsabilité pour nous créer des valeurs qui fait que, quel que soit le côté de vie, quel que soit le côté de vie, l'État campé. Et puis vous dites, moi-même, nous avons une humanité. Nous avons des valeurs de construire l'humanité, on nous tape au monde. Et on leur le préjugé pour gagner. Mais nous avons une valeur. C'est ça que les champions ont une valeur. Que nous partageons avec ces mondiaux. Et vous savez, ça peut paraître comique que tout le monde n'est pas de mon avis. On a déjà pas beaucoup de temps pour faire football à ces mondiaux sur le terrain au chef. Maman, je vais vous dire, mes amis, je vais vous dire que je vais pas à l'école. Sans le respect. Donc, pour 30 ans, vous faites mon enjeu pour parler de être indulgent, être poli, être prudent, être aimable, être respectueux, être ami, ça c'est pour le football, être ami, être honnête, mais on ne peut pas être expert dans la belle astre. C'est comme que l'honnêteté n'est plus haïtienne. On va d'abord le monde, on va avec d'autres questions. Et puis, être patient. On a besoin de patience. Je veux dire, nous avons besoin de l'étranger, nous avons besoin de nations qui travaillent à Haïti et qui font un bon travail. Nous connaissons que, il a parlé avec mon entrepreneur, André m'a parlé, et puis il dit, nous devons tout dire ça, nous devons tout dire ça. Il dit, mon cher, où est votre heure? Vous venez là, vous avez besoin de travailler, seul vous mettez votre heure là. Vous n'avez pas pris le fait pour vous. Yo pa konnen ke ou te ou bagay ou bagay jere ki bilve yon san li fel pas an la. Avan se sko dize da iti. Avan la iti se salteye, men se vale lor la. Si yo yin de lan nou, mes ami, an nou refe ou, ou refe sou fa. E se poukwa les enfans avan tout ki jou ou football nou mwen sou karite, pou nou fe ou konnen ke pou genyon bagay, pou kontan lor genyel pou trabay. La tricherie dan le foot, se yon verou. C'est la verrue du football haïtien. Vous trouvez que tout ancien footballeur, on connaît au moins quelques amis qui peut-être t'aiguent 30 ans et qu'il a joué pour 22 ans. C'est dommage que je le dise. Mais écoutez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le responsable que vous confiez, Timon, l'a préparé un corrupteur. Un Timon qui apprend à fêter par les vices, qui apprend à être content en utilisant les vices. Et ça, déjà, fait que Timon, ça, qui a une vocation pour nos citoyens, parce que tu as parlé en football, mais tu es fondé dans la cave, mais tu as un bon intelligence extrême qui mettait au plus haut niveau de la société. Mais écoute, que fais-tu quand tu as un budget à gérer pour un bien commun? À mon cher. Mais avant le bien commun, j'avais envie d'avoir un Lamborghini. Alors que le bien commun prévaut sur le bien privé. Donc, si mon sac est un connaît que pour un bon, il faut qu'on passe son bagage par en bas. Parce que ma preuve fêtée, le bail deux goals sur sélection, U12, alors que j'ai 14 ans. Et bien ma belle, et bien sauté sur deux HLP. Personne ne paye Lamborghini, on le pouvoir sur même guerre. Parce que nous faut la gagne. Donc l'éducation importante, alors très important pour nous, le champion football club, et c'est ça qui a mené. Autre point, c'est que le baron vient de souligner, c'est que le football méritait accompagnement. Football pas fait comme ça. Je dis un champion a fait des perspectives sur un plan même d'hébergement des enfants. Champion a fait perspective d'un plan d'aménagement de terrain propre à son. Écoutez, champion n'est pas argenté, champion pas riche. Mais champion fait partie d'une société qui gagne des mondes de cœur et des mondes où il y a des mécènes qui sont capables maintenant de faire même expérience que Brian a fait confiance, essayer de garder ses bacs à fond. Essayez les champions. Dis champions qui plombent bien les constructions. Qui côté terrain? Dis-moi, font étude
de prospection pour nous. Et puis, 10 mecs qui sont mettés, on pourrait quel système de gestion sont va mettre pour si terrain ça pas existé et si dans 5-10 ans, il va commencer par un autre caractère à football jeune haïtien. Parce que il y a monsieur ça au capon de Tassi. Voici le fils de Tassi. Des gens qui ont vécu Tassi depuis le jeune et ils ont dit que c'est pas le Tassi qui vient. Donc, si nous avons partagé les valeurs de l'éducation, on nous fait. Nous parlons de football non abusif, vous savez. Quand je parle de football non abusif, pas besoin de parler plus sur ça. Son sujet est important. Son sujet est important. Nous pas qu'à faire n'importe quoi avec un enfant qui nous fait confiance. En nous prenant l'exemple étranger, plutôt nous, effectivement, c'est pas fait Simone Bail. Pas besoin de parler de Haïtien, parce que ma vie va acheter toujours. Mais nous connaissons ce qui est passé, c'est que vous confiez pour servir le pays, mais c'est pas ça ce qu'on a été attendu, qui était abusé. Le football ne peut pas être abusé. Le football doit être éducatif, non abusif. Le football doit être compétitif et au moyen pour le monde émancipé. Pour si le monde qui vient, l'émancipé. Quand je prends mes joueurs, je vais le restaurant avec eux. Je suis capable de dire, le football ne peut pas être abusé avec eux. Et le plus souvent, c'est surtout avec les poussées que je vais faire. Parce que l'école football, quand même, c'est une école côté que vous payez pour participer là-dedans. Dis-nous qu'on leur donne un traitement marginal. Mais c'est avec ceux-là qui n'en ont pas. Parce que vous voulez montrer que c'est pas papa ou pas rien, ni maman, mais papa ou pas cabaret qui va gagner ça. Eh bien, on nous fait ça. Et au contraire. Donc, mes amis, restons unis. Et travaillons pour que le football aille plus loin. Champion, comme les autres écoles, nous parlons d'autorité qu'on a. Ils ont besoin d'appui. Il y a travail dans des situations difficiles dans un populeux qui n'a pas les moyens, mais ils ont existé et ils ont pas été pour le plaisir que Timoun arrive parce que Timoun arrive.